Bonjour à tous! Vous m'avez demandé du ladder, vous kiffez le mode échelle! Ça tombe bien, on a débloqué la foudre, on va jouer donc ce deck-là, golem, sorcière de la nuit, bûcheron, bébé dragon, fut barbare, boule de neige, et c'est parti sur du ladder, et donc je vais vous expliquer le deck, comment il fonctionne ou pas dans la méta actuelle. Let's go! Yeah! C'est parti! Alors, à savoir que dans la méta prince actuelle, déjà que la sorcière de la nuit, elle était un peu compliquée. Elle était un peu pas nulle, mais pas loin. Ouais, on peut le dire, on peut le dire, on peut le dire. On peut dire qu'elle est... Elle est pas folle, voilà, elle est pas folle. Bon. Elle gère pas très bien les princes, elle meurt un peu en un coup de charge de prince. C'est un peu la tristesse. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je réponds pas à ça. J'aime pas qu'on me respecte pas comme ça. Ok. J'attends qu'il mette un truc. Non, il met rien, ok. Ah, il est plus fort. Il est beaucoup plus fort que nous. Il sait qu'on en a tant. Ok. Je vais devoir recycler la green card, c'est pas sympa. Ok, juste faire ça. Histoire de vraiment rien faire. Rien faire du tout. Parfait. Donc son sorcier est posé. J'aurais pu foutre limite. Franchement. Je crois que je vais faire ça, hein. Tant pis. Je vais prendre super cher, c'était un mauvais play, mais... C'est pas grave, je vais partir en bûcheron. Est-ce que je pars en bûcheron? Est-ce que c'est un bon play? Je pense pas. Il va devoir claquer l'élixir sur mon gentil bébé dragon, c'est déjà ça. Ok. Je crois que je vais devoir quand même y répondre. Vous avez vu le nombre de points de vie qu'elle a? Ça s'en fiche la Valkyrie. Allez, vas-y, je lui laisse. Je suis gentil. Je suis quelqu'un de sympa. Un coup, deux coups. Deux, ça va, deux, ça va. Alors, sorcier, GR et compagnie, ok. On va mettre un sorcier de la nuit, une sorcière de la nuit. Ok, c'est pas mal ça. Ça nous va, ça nous va. On achète clairement ce play qu'il est en train de faire. Ok, MG. Oh, par contre, on l'a en prendre train de tarif. Oh non, le barbare, il a pas tué le... Il a pas tué le... Non. Oh putain, ce qu'on a pris. Ok, on en est là. Ah, très bien. Et on est dans la mise. Gère pas, s'il te plaît, j'ai pas envie que tu gères. Ouais, c'est sympa. Merci de pas avoir géré. Par contre, faut que je recycle mon deck, j'aurais du boule de neige ici. Ah, j'aurais du boule de neige. C'est une erreur. Le truc, c'est qu'il a géré en main, ça m'embête un peu. On va juste mettre le dragon. Ouais, il va faire ça, c'est bien. Ok, il devrait mettre juste un coup, et malheureusement, j'ai plus la boule de neige pour gérer ça. Autant vous dire qu'on se fait tarifier. Hein. C'est pas sympa. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que on va quand même gagner, parce qu'on est des personnes bien, des personnes sympas. Foudre tous les jours son sorcier, alors cette fois-ci, son sorcier n'existe pas. À gauche, il aurait jamais dû faire ça, on s'en fiche, on s'en fiche. Ça fait pas de dégâts. Ok. On garde bien l'élixir pour foudre le gentil sorcier. Y'a pas de soucis pour nous, ça sert à rien, on s'empêche non plus sur le côté. Parfait, parfait, mais oui, très bien, très bien, très bien. J'ai quand même envie de foutre le sorcier, on va dire. J'en veux pas être ça, salut. Non, arrête. Voilà. Ah, il va. S'il est obligé de boule de feu, mais s'il boule de feu, comment il défend chez lui? Lilian Thuram. Ouais, ok, ok. Ça, c'est passé, c'est passé. What? What the fuck? Mais non. Un méga coffre-four? Ah bah on dit oui, hein, clairement, là. Waouh. Ok. Et en plus, on a bientôt le coffre légendaire du roi, enfin... Ça sent l'électro-dragon, ça sent les decks golems, ça sent le prince, ça sent le double prince. Oh, et je pense que vous vous rendez pas compte de mon bonheur si je pouvais jouer les decks golems que je veux en ladder. Ça serait fou. Bon, on est à 6041, on va continuer de faire un petit peu de rush. Radek Polska. De Pablo Escobar qui... Ok. On a la sorcière de la nuit, on a la boule de neige. Esprit, ok, esprit, es-tu là? Cochon? Pas cochon. Ok, Arkix. Bon, je mets de l'élixir parce qu'il en a mis, mais sans absolument aucune conviction. C'est du 2.9 apparemment. Ça y ressemble. 2.9, bizarre. Ok, du logbait en fait plutôt. Je vais mettre celle-là parce que j'ai pas envie qu'il roquette. Voilà, et puis du coup ça permet de gérer ça, c'est parfait. C'est du...
Salut. Salut. Ok. Bon, du coup, pour l'instant, il se passe rien. C'est exactement ce qu'on recherche. Est-ce qu'il ne se passe rien, au fond, hein? Donc, voilà, on prend, on prend. Ok, tu veux renvoyer un fût, c'est ça? Ok. Juste le def au bébé dragon. J'ai pas besoin de plus. Ah, si, en fait. Ok. Il s'en fout, le bébé dragon. T'as quand même pu tuer le gobelin derrière, là Michel, Michel, tu fais n'importe quoi. Ok. On est pas très bien, en fait, hein. Enfin, pff, si, en fait, ça va. On a passé une minute 20, on a pris quasiment zéro dégâts, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va. Petit coup de MG, là. Ok. On a la foudre. Donc, il joue Tesla. Ce qui est bon pour nous, c'est qu'il joue pas à TDE. Oh, c'est dur pour lui, hein, le x2. On les push. Ok, pas de soucis pour nous, regardez le bûcheron comme il défend. Alors maintenant, tu vas devoir défendre ça, mon ami. La Valkyrie, elle a tué la... la sorcière de la nuit se fait même tuer par la Valkyrie, on a contraint. On en est là. Cette carte est tellement nulle à l'heure actuelle. C'est triste. C'est vraiment triste pour elle. Hein. C'est pas grave. Alors, on va se prendre deux coups, là. On aurait pu éviter de les prendre, hein, malheureusement. Trois coups. C'est mal. Très mal. Trop. Tant pis. Je suis triste. Ok, Valkyrie là-bas, ce qui nous arrange. On va se mentir. Franchement, j'ai hésité. Hein. J'ai pas besoin de le mettre, celui-là. C'est pas grave. Il défend la Valkyrie. On est content. Alors, c'est parti. Est-ce qu'il va roquette? Ah, j'aurais pas dû la mettre collée. Il peut roquette. Qui le fait pas? Qui le fait pas? Tu veux pas te rapprocher sinon? Non. Pas très d'accord. Oh, la boule de neige. Oh là là, c'est une boule de neige. La boule de neige du dit. Oh, la MJ direct. Instant. Instant. Ça m'arrange pas trop. Il y a trop de princesses là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi mettre autant de princesses? Ok. Alors c'est un peu forcé ce golem, mais en même temps il a claqué tellement d'élixir pour se défendre que ça me semble pas nul. C'est pas ridicule. Ouais. Il va gratter un peu, mais c'est pareil, c'est pas très grave. Ok. Ah oui? Ah d'accord. Et comment tu défends à gauche maintenant que t'as tout mis à droite et que t'as pas fait de dégâts, mon ami? Est-ce qu'on foudre pas ça? C'est pas mal, hein? Regardez. Est-ce que le golem ira pas tout droit? Hop, voilà, tout droit. Ça, ça se boule de neige. Voilà, et le golem? Le golem, il est content. Un petit coup de base, là, quoi qu'il arrive, il va aller prendre la tour. A droite, la MG a aussi mis quelques dégâts. Et ça se passe. Et ça se passe bien. Bon, il a quand même forcé à droite. Voilà, il fait partie des gens qu'on appelle les forceurs. Mais en soi, c'était pas nul, hein. C'était pas un mauvais play. C'est juste que on avait des bonnes réponses, on les avait dans la main, on est sur du double sort. C'est pas évident pour lui, surtout s'il joue pas à TD. Matoyo. Mais encore, TD, nous, on a foudre. Alors bon, c'est pas non plus si pire. Hein. Ok, si tu veux. Est-ce que tu joues cochon? Est-ce que tu joues Arkix? Est-ce que tu joues mineur? Est-ce que tu joues Lockbait? Le ladder, hein, le règne du Lockbait. Est-ce qu'il va chevalier devant? Non. La réponse est non. La réponse est oui. La réponse est carrément oui. Ok, donc ça c'est bien, ça va tomber. Ça on va le boule de neige. Oh là là, la boule de neige parfaite! Pris 0 dégâts. Ok. MG instant. Bonne MG, ça. Elle va vite. Je vais vite. Ok. On va poser une sorcière de la nuit dessus, je pense. Ok, pas mal. Ça prend pas de dégâts. Encore une fois, hein, x1 égale temporisation. Alors, c'est un peu un déclamin, on va pas se mentir, mais c'est comme ça que ça se joue. Ça va éviter de se prendre des dégâts, on remet le dragon. De toute façon, on a 10 d'élixir, alors autant jouer des cartes. Autant faire ça. Ok. Là, on va pareil, bûcheron. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Autant ne pas se prendre des dégâts. Oh, pour l'instant, la défense est parfaite. Il reste plus que 35 secondes avant le x2. Ah, il joue TD. Heureusement, on est sur une version foudre. Ça se fait plaisir. Alors évidemment, on va pas la poser tout de suite. On va attendre. Je mets la MG ici, parce que pourquoi pas aussi. Non. C'est pour bloquer les potentielles princesses hautes, mais... Voilà, c'était ça que je voulais bloquer. C'est pas grave, on se prend un coup, c'est pas non plus drama. Ah par contre, j'aurais bien aimé l'avoir, elle, dans mon push golem. Tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Ça, c'était pas top, parce que du coup, ça me fait une double réponse pour tout juste avec un seul fût. Ce qui, moi, m'arrange bien. Alors lui, il a plus gratté à gauche, nous, on part quand même à droite, c'est pas grave. J'aurais mieux fait de partir à gauche, je pense. Mais c'est pas, ça changera pas grand-chose.
Là, il va essayer de recycler un maximum de son deck. Ça va défendre avec la MG. Le bébé dragon. Ok, on va prendre quand même quelques dégâts, faut faire gaffe. Voilà. C'est ça qu'on attend d'une belle foudre. Et le bûcheron! Ah non, non, arrête! Laisse mon bûcheron aussi, non mais sérieux. Ah, j'aurais pas dû fuir ici, c'était une erreur. Bon, c'est pas grave. Il a pas le chevalier, donc il pourra pas vraiment nous embêter. Oh, Rocket! Oh, les golemites, elles vont se faire plaisir, hein, Rocket ou pas. Salut. Et encore une fois, une boule de neige parfaite! Incroyable! Incroyable! On bloque la potentielle princesse, et voilà. Wouh! Le ladder, le règne du logbait. C'est logbait, c'est le monde du logbait. Hein. Le ladder, évidemment, évidemment. 6100, 6100, c'est pas mal. 6100, ça nous fait une vidéo, ça fait tous les coffres. Bon, n'hésitez pas à me dire du coup si vous appréciez. Donc, ça fait une vidéo assez courte, mais c'est pas mal parce que du coup vous me dites si vous aimez bien le ladder et si vous voulez du rush ladder, du vrai rush ladder parce que j'ai encore jamais rush ladder. Le max que j'ai fait, c'était pas cette saison, c'était il y a deux saisons, et j'ai fait 1h30 de rush. Sinon, d'habitude, je fais juste les coffres, etc. Donc, je m'entraîne pas mal sur le jeu. Pas autant que j'aimerais, mais ça viendra. Mais en tout cas, voilà. Du coup, si vous appréciez le ladder, n'hésitez pas à me dire. Voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous appréciez ce genre de vidéo, eh ben, on en refera. C'est simple, c'est basique. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié, et je vous souhaite une excellente journée. PS, le pouce bleu.